Cette semaine, une célèbre et jolie chanteuse aux longs cheveux est revenue pour Télé Loisirs sur son ancienne histoire d'amour avec Gabriel Attal. Une relation qui remonte à leur adolescence. Ce mercredi 28 juin 2023 était une journée importante pour Joyce Jonathan, qui participait à une soirée événement pour l'association Je suis une femme éjectiste. Celle-ci milite pour en finir avec le clivage entre les hommes et les femmes pour créer un nouveau territoire d'égalité et de respect mutuel. À l'occasion de cet événement, nos confrères de Télé Loisirs se sont entretenus avec la belle artiste aux longs cheveux. Une question a été posée sur son ancienne romance avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gabriel Attal. Avec Gabriel, on en rigole. Cette relation date du collège, même pas. Si y est-il une blague entre nous? Les médias adorent ressortir cette histoire, a expliqué la jolie brune. Pour rappel, elle en avait déjà parlé lors de son passage dans l'émission chez Jordan, en novembre dernier, si y est-il un amoureux d'enfance, une amourette de récréation. Absolument très sage. L'interprète de Je ne sais pas avait également profité de cet entretien pour féliciter le beau brun pour son parcours, je suis hyper fier de lui. Il a toujours été très ambitieux et si est-il marrant parce que sur le yearbook, album de promotion, note de la rédaction, Gabriel avait mis une photo de lui en président. Il a toujours voulu faire de la politique. Moi je rêvais d'être chanteuse, j'avais déjà signé avec ma première maison de disques. On s'est toujours suivi depuis le lycée. En 2019, c'est Gabriel Attal qui évoquait le sujet dans les pages de Closer, affirmant alors au magazine qu'elle a été l'un de ses premiers amours. Je suis toujours proche d'elle. Elle reste une très bonne amie, ajoutait-il. Depuis, chacun a écrit sa propre vie sentimentale. Lui est tombé amoureux du président du groupe Renew au Parlement européen Stéphane Séjourné, qu'il avait rencontré lors d'une réunion de travail début 2015 au sein du ministère de l'Économie, tandis qu'elle est devenue maman pour la première fois en novembre 2020, d'une petite fille prénommée Giulia dont le père est un Corse répondant au nom de Martial Paoli. Si est-il lors de l'édition du Festival de Cannes 2019 que le coup de foudre avait eu lieu. Tout le monde chantait autour du piano, je me suis approché et quand j'ai vu qui était le pianiste, je me suis dit, mais il est pas mal, avait raconté Joyce Jonathan à 50 Inside sur TF1, lors d'un reportage dans lequel apparaissait son amoureux. La chanteuse a indéniablement une préférence pour les bruns.